Du coup ça n'a même pas enregistré, j'ai un peu ça. Et du coup tu... Ah oui, je vais te dire pour paramétrer le truc. Non, bah laisse tomber, c'est trop la merde. Ouais, c'est moi qui prends le live. Non, 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 non. La merde. Casse truc. Et dès que je... Non, caler le truc pour la partage Discord et tout. Et à chaque fois que je quittais OBS pour aller sur Discord, et ben ça comble, c'est dérégler contre tout. Oui, mais c'est, en fait le problème c'est que tu, oui c'est vrai, c'est, je sais c'est comme ça, mais tu t'es obligé. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un double screen, parce que là en fait t'es obligé de laisser OBS ouvert, Discord ouvert. Ah mais j'ai pas envie de rester 3 heures sur le Discord et de vous regarder faire du truc. Ouais, je sais bien. Bah moi je suis en train de live. Tu suces bien. Ouais, encore t'as un double screen, là ça aurait été facile, puisque au pire c'est pas grave, tu aurais pu faire le reste sur l'autre écran, mais là c'est bon. Mais ouais, mais thank you. J'ai oublié un truc. Je suis du sexe. Il a mis son cœur. Bah Dragi, tiens le truc. Ouais, mais je suis en train de live. Mais t'es pas en live là encore. Je suis en live. Moi je vois que je suis en live. Merde, vous êtes tous des gros tétons. Ah mais t'es con toi, c'est... Mais non t'es pas en live, il faut mettre commencer le streaming pour être en live. Oui, con. Allez, il enlève. Je suis en live. Si je suis en live. Moi je vois mon live. Et tu lèves avec quoi s'il te plaît? OBS. Non, non, mais. C'est marrant parce que moi aussi je te vois pas en live. Ah, si, t'es en live, mais c'est bizarre, mais. Le mec, il est en live. Tu commences. En fait, ce qui est chelou, c'est que t'es en live. Mais genre. Ça pose des boules, gars. Pour de la qualité, voilà, ouais, Star Full Up. Attends. Ta gueule, juge pas, grâce à moi, on est en live. C'est vrai. Si vous êtes pas content, vous avez qu'à live. Ah mais qui était vraiment dégueulasse en 480p. Ah non, ça, ouais ça passe. Réaction à des lives. Ah bon, ah juste Raji. Va sur OBS 2 secondes. Pourquoi? Va sur OBS 2 secondes. Oh je te baise. Oui pourquoi? Va sur OBS 2 secondes, je vais juste te faire enlever ton bouton dégueulasse. Quel bouton dégueulasse? Je suis sur OBS, Non mais clique sur OBS mec. Je suis sur OBS. Mais t'es pas sûr. C'est qui a le portage là? Pas moi. C'est 40. C'est moi. Ah, c'est... Depuis un heure, je comprends pas si j'avais pas de live. Du coup. Ah mais. Ouais, attends, je peux mettre ton portage de seconde. Comment? Mets ton portage non, de seconde. Je bloque déjà avec le live, non. Mais c'est bon, je t'en bats les couilles. C'est bon, je vais sur micro après je fais quoi comme truc? Il faut que tu fasses. Il faut que. Filtre. Taille. Ouais, vas-y. Ouais, je... Filtre. Ensuite. Tu mets filtre et après tu mets suppression des bruits. Ouais, ok. Et comment je fais et je mets quoi comme deuil? Micro. Comme deuil, je mets quoi? Comme deuil de suppression. Tu me mets à fond. En fait, c'est mon bruit de fond que vous allez supprimer. Ah, ça va mieux. Et remets-en un autre. Remets-en un autre. Ça nous manque. Pourquoi un autre? Pour vous? Non, pour toi. Pourquoi? Parce que t'as un bruit de fond dégueulasse, mec. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas toi. C'est moi le bruit de fond. C'est bon. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Putain. Non, parce que quand en fait, tu veux, Discord, quand t'arrêtes de parler, bah ça coupe ton micro. Alors que et lui, comme et bah, il, le son il vient directement de son micro, et bah y'a pas ça. Et du coup, je fais une attaque. Ah putain, c'est casse les couilles ça par contre. Comme c'est lui qui live via son micro, et bah ouais. Là, c'est nickel, y'a plus. Enfin, y en a encore un petit peu, tu vois, mais ça passe. Et par contre, mec, le décalage, y'a que dalle, hein, y'a 2 secondes. Sérieux? Comment faire pour la connexion de ta vie?
fait, Je sais on pas si c'est ta critique. connexion ou si YouTube qui a. On critique ma connexion, mais. Et Critique. je dis ça, je dis rien, mais je peux l'avoir en 444p. Ah. Calme-toi avec ces 480. Mais c'est déjà pas mal, franchement. Encore, tu me dis, ah, je sais, j'ai rien, mais je live en 4K. D'accord, je ferme ma gueule, c'est comme le mec, il fait des lives en 1080p et il y a un autre bougnoule qui vient et dit, ah, calme-toi, je dis ça, j'ai rien, mais moi je live en 144p. Ah, J'ai pas dit que je l'avais en 4K. non, mais je sais, mais. Oh, putain, laisse tomber. J'ai dit, encore, tu m'aurais dit, vous critiquez ma connexion, mais je live en 4K, j'aurais fermé ma gueule. Là, on dit pas. Tu tricites, on dit, on tricite. 480p, je trouve que c'est vraiment Ah, c'est bien bon, je quand suis en même. direct, les copains. Mais ta mère, il est genre là, il était con, toi. Ouais. Non, mais je suis pas sur votre truc à la Ah, con. Mais comment ouais, ça, truc regarde avec Alec, il nous lâche pour aller tout seul, avec ce sèche. Gavek? Non, je suis en train de regarder mon club de propre à avoir les bras liquides. Ah ouais, c'est bien Salut! ça. Dis-le. Bon, du coup, il faut que je recommence le dessin. Allez! Tu t'occupes Est-ce que je dois des mettre un commentaires? partage d'écran? Qui s'occupe des commentaires? Je pense que tu conseilles de mettre le partage d'écran, je lague ou pas? Bah oui. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, fais ton truc, du coup. Thank you, c'est quoi qu'il faut faire pour le bruit de fond? Ah bah fais mon partage, je t'explique comme ça. Bah tu vas juste sur ton micro, tu vas dans les petits trucs paramètres et t'as juste à mettre filtre et suppression de bruit, y'a rien de plus simple. Mais non, mais t'as déjà regardé un tuto ou pas carotte paramétrée? Mais c'est Non. super simple. C'est super Ouais, mais quand simple, tu connais y a pas, rien c'est de plus compliqué. simple. C'est comme sur Photoshop, mais quand tu connais pas, c'est chaud. Bon, après là, c'est facile. T'apprends tout seul, t'apprends tout seul. Ouais, FL Studio, Allô, allô? FL Attends, Studio, il je est me où suis mon démarré tout micro? seul. Allô, allô. C'est super compliqué. Oui? Chut. Oui, ok. Ok, ça c'est votre micro à vous. Tu l'as? Je vais vous mettre un petit filtre pute. Voilà. Couscous bougnoule. Ah, il a dit couscous Elbi. Couscous bougnoule. Ah, on dit pas bougnoule, ça se fait pas. Arabe. Moi j'aime pas dire bougnoule, j'aime dire arabe! De toute façon, les arabes. T'imagines, y'a un arabe sur la Ils font place les On est bêtes. d'accord pour dire que les arabes on les baise. On mange pas de cochon, mais t'inquiète pas que quand il y a des sucettes au port, il y en a partout. Meilleur partout autour de nous, il y a des. Les arabes! Parce que les gens en ont marre des arabes. On sait plein de Comment films. je fais pour créer un truc audio pour commentaire? Capture de l'audio entrant ou capture de l'audio sortant? Mais en fait, sortant, c'est ce qui sort de ton casque, Une et caméra entrant, de Est-ce que je t'ai parlé? Non. Okay, bah, fils de pute. Je vais ajouter source existante et je prends laquelle? Mic. Non, tu rentres ta gueule, fils de pute. Je te parle pas, toi. Bah, en Commence fait, ça, pas c'est pour à me parler mettre. plus loin. Pour. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu veux faire quoi? Tu veux filmer ton jeu, ton PC? Tu veux filmer quoi? Non, mon micro. Il va faire un Oui, bah, live c'est sur pas là. YouTube en live. Mais je C'est dois dans les faire. paramètres. Mais regardez une vidéo, comme j'ai pas de partage, je peux pas le dire. Non. Il va faire un J'ai un live peu. sur. Il va faire un live sur YouTube en live. Ah là, t'as ta Ah matière, quoi. putain! Ah oui, c'est ça. Ouais, quand même. Bah ouais, j'avais promis de finir mon aventure sans jeu. J'adorais tes lives sur dessus, on en empêche. Je critique, mais j'adorais. Gag, c'est ça. Je sais pas du tout. Tenez un peu sur le bout de la lèvre là. Ah pardon, tu peux me nettoyer. Merci. Ciao. Thank La carotte, ça a giclé jusqu'à ton oeil, attention, il y en a sur le sourcil. Est-ce que les mecs du live vous Oh, aimez toi t'es bien? pas drôle. Oh, non, je rigole. T'as même pas compris tout ce que j'ai dit. Vexé. Je t'écoute Ouais. pas. Vexé. Je t'écoute pas. Ouais, je disais que ça avait giclé, genre Bienvenue à ça la avait rebondi personne sur sur le toi, live. c'était sur son oeil et tout. Peut-être pour toi. Allez, je Galère. mets un like. Ah, ça a l'air bien cette chaîne. Et si je m'abonnais? Ouais. Tu peux changer le nom, mais les live dessin. Putain, tout d'un coup, il y a eu 3. Descends. T'as dû voir tout ça là. T'as compris? Descends, les loulous, les Oui. tétés. Descends. Je peux pas. Parce que Mais je suis pas avec chill. ton. Avec le... Live dessin Mais je suis pas avec posé. la chaîne. Je suis pas avec le truc de chaîne. Ouais, mais toi t'es Live non. dessin. Toi t'es pas drôle. T'es pas trop drôle la chaîne. Ouais, mais toi t'es non. Live dessin. Y'a Bah, 15 000 micro personnes en live, trop. t'es pas drôle. Y'a.
Duo, Games 13, Titoux, Chazel, Jean-Fils, j'enfile des strings, Discovery, ID et sans du téton en live. C'est goût de noir. Arabe. Discovery, ça va, c'est merde. Gros sac, ma haït, yak. You check it inexistent. You check it inexistent. Allo? Allo? Tu peux checker les commentaires, s'il te plaît, c'est dur. Oui, allo? Bonsoir, bonsoir. Le truc, c'est qu'il y en a tellement que j'arrive pas à les lire. Est-ce que tout le monde m'entend? Non, il y a personne qui m'entend. Et où? Et sache que je vous encule, daronne. Et où? Ah ouais. Allô, allô. Hein? Allô. Allô. Les copains, je vais aller manger ma galette aujourd'hui. Le mec, il mange à minuit, il trop un putain. Allô. Bonsoir à tous les amis. Ah c'est bon. Alors, donc là on va couper le bruit de fond, filtre. Jude. Attends. Wacom. Propriété Wacom. Charles. Allô, c'est bon. C'est good. Charles. Donc là, on va aller dans filtre. Charles. Et ça ne charge. Charles. Charles. Putain, un filtre. Charles. 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 Carotte. 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 Bête carotte. Lucas Charles. Carotte Lucas Charles. Lucas Charles Dragi.
J'ai bulle de la bouteille. Ah, c'est dégueulasse. Pute. Allô, le copain, les copines. Allô, l'olive. C'est vous qui étiez sur mon live ou pas? Non. Il y avait un gars sur mon live. Mais je l'ai coupé parce que je l'ai peur que c'était mon frère. Charles. Ouais, mec. Touché rectal. Ah, t'es dégueulasse. Lucas. Toi, t'es dégueulasse. Ah, attends, mais... Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Wally Wallou. Lucas, il fait quoi? Je sais pas, je croyais pas remettre le live, je suis pas sûr. Ah mais putain. Attendez juste deux secondes, je dois redémarrer mon PC. Oh. Ouais non mais c'est pas ça, c'est que... Non c'est bon, si moi je veux plus. Vas-y, rage toi. Attends, c'est bon, ils te font mec. Ah bon? Tu fais un tractopelle ou comment ça se passe? Pas très gentil ça. Mais désolé mec. Je suis dans du string ce soir. Y'a eu personne sur le live? C'est que t'as pas beaucoup de followers. On me rend. Je veux dire, même moi j'ai 4 followers quoi, y'avait 4 mecs. Bon, on a pas beaucoup de followers sur. Par contre, baisse le son, baisse le son de carotte sur le live, il est hyper fort. Ah bon? Et le mien aussi. C'est vrai que sur Twitch on a plus de couleurs, bien. ABCD. ABCD, FGH, IJ. Baisse mon son encore. ABCD, EFJ, IJL. A B C D E F G A B C D E A B C D E F G A B C D E F G oui on arrive. Baisse mon son. A B C D E F G H I J K L. Non c'est bon, c'est bon. Non mais le son il a besoin d'être fort hein. C'est pas comme sur tes lives où le son il y a tout. Oui non mais c'est pas ça le problème, c'est que Le problème c'est que toi ben on t'entend pas en fait avec ta voix de puceau, du coup c'est pour ça que le bâtard. Non, c'est juste que je parle plus fort. Non mais niquer ta mère en fait. C'est pour ça que je dis ça pour ton avantage mec, il critique. Il clique. Jacques Puceau, c'est toi. Attention carotte. Oh putain. La bonne époque. Mec, j'ai avalé du jus d'orange de train. C'est ça. C'est pas du jus d'orange, c'est... C'est du super. Ouais. Ah, c'est... ouais, j'ai avalé du suprême. Du suprême. C'était pas du jus d'orange, c'était du jus de pomme. Ouais, bâtard. Bande de tue, bâtard. Et Brésil, on avait plein les yeux du jus de pomme. Oh. C'est bon, là il a fait jeudi. Jeudi, parti. Vas-y, je t'envoie un truc, tu pourras admirer ces magnifiques draws après le live. Bon, je dois redémarrer mon PC parce que, genre, ma tablette elle prend pas en compte la pression contre mon stylet. Ah, tu parles du vieux live de Dragi à 420p. Ah, tu t'appelles comment? Je m'appelle 420p. Tu sais, comme dirait Christophe Maé, on fait comme on peut. Je peux savoir pourquoi tu mets le Christophe Maé, l'un des plus grands à cette histoire. Christophe Maé, c'est le pilier du rap français. Quand t'avais dit ça sur Twitter. Dieu n'y le plaît, tu rap français. Tu m'as fait tuer mec, tu m'avais terminé. En plus je l'avais regardé en cours, ce tweet là. Ah ouais.
Genre tu vois un vieux mec qui rigolait en cours. Yannis c'était le pilier du rap français. Johnny. Sex. Pourquoi tu dis ça? Hey, ton son il est trop bas. En fait, je regarde mes mains et je fais des mains fines à cause de mes mains. Je vois que tu sais pas dessiner, mec. Je dessine. Qui parle dans le chat. Il y a 10 bits de noir. Tu veux des cours de dessin? S'il te plaît, carré, s'il te plaît. Sexophile. Pourquoi il dit ça, lui? Il y a carotophile, tiens. Boum. Eh, ta mère, elle est tellement bizarre qu'elle regarde des films de pêche. Quoi? Pas un seul bruit et pas trop tard. Oui. D'accord. Oui. Elle veut un tétard. D'accord, je t'en veux un tétard. Il commence à se faire tard. Oh. Oh. Je dénigre. Mais t'as vraiment la chiasse dans le cerveau pour dire des merdes comme ça. Mais parfois je dénigre. Je commence le couplet, je suis pas en couple. Tellement bonne que te mène à mener. T'es trop dur. Je suis gay. Oh, charabe. Kérantophile et sexophile. Lequel est votre meilleur chanteur? Oh, moi, franchement, mon chanteur préféré, c'est Kérantophile. Moi aussi, Kérantophile, ses paroles sont bien plus fraîches. On dirait un vieux truc de vélo là qui est rouillé. Je dis nine. Le dingue va venir sur la vie là pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? You're a strike. Bowling, yeah, bowling. Suck my dick, suck in my dick in my piss. Ooh. Look at me. Regarde-moi. Aussi doué qu'une tortue. Je me regarde comme une tortue. Qu'est-ce qu'il fait là? Mec, y'a 5 yeux. Il part 5 yeux, on veut pas de ça. Putain. Avec ta vieille connexion à la Rattan. Ouais, moi j'ai une grosse connexion, je peux faire du live en 444p. Ouais, t'as vu, toi.
Quoi? Ah putain, et vous avez vu les heures de Tufty sur Arma 3? Quoi? Non. Oui, j'ai vu, je crois qu'il a 3000, non? Non, il y a 1800. Il a très bien le jeu, mais il a fait du RP lui dessus. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oui, je sais que tu dors. J'ai pour être sorti de Saint-Cyr. J'ai vu, ferme ta gueule et tort, sors là. Bah, dors, ma petite maman. La petite pute. Demain, tu dois travailler, connasse. Il y en a qui travaillent ici, maman. Toi, c'est demain que tu travailles. Demain soir, tu travailles. Non, elle m'a dormi. Ah non, en plus, je me rends compte que ta mère elle est chelou. En quelle année tu t'as lâché, genre parce que t'es, ton fils t'a réveillé. Toi tu viens, tu lâches. Mais je suis dessus. Comment t'es... Pourquoi tu lâches des trucs comme ça? Ah, mais là, ça me casse les couilles de rager. Ma tablette, je sais pas pourquoi, depuis qu'il y a eu problème, bah, elle est plus prise en compte par le PC. Du coup, il n'y a plus la pression. C'est bizarre, depuis que j'ai jeté ma tablette à terre. Non, j'ai le pilote de la tablette ne répond pas. Essaye d'atteindre. Mais il t'a mis, je vais le faire refaire. Il y a plus de... Si elle reste sans effet, je vais contacter le service ici. Mais non, mais ouais, je sais ce que je vais faire. On va le relancer de force, petit bâtard. C'est sûr qu'avec une bite dans la gorge, c'est compliqué. C'est sûrement pas de la tienne. Est-ce que t'en as pas une séquence? Putain, mais ça me casse les couilles. Il est trop stylé ce jeu. Là, moi, je veux juste des... me péter les couilles. Putain, c'est chiant, ils prennent pas. Parle pas de ce que t'as pas. T'as dit, toi, un petit PD. Oh, le pisseau. Qu'est-ce qu'il dit, le mec, il y a une coupe de PD, il va pas avec. T'as vu, t'as que des pieds. Mais non, les cheveux sont coupés, j'ai pas les cheveux longs à la dragée. C'est le mot de dragée. Ah, c'est quoi, c'est quoi? Il est mort. C'est un gars. Vous savez qu'il y a une fille de 6 ans qui met sa main sur la bouche. Bon, allez les copains, moi je crois que je vais aller regarder la fin de. Et girl. L'attaque des titans. T'as vu comment il nous lâche? T'as vu, je peux pas manquer un. Vous faites design, vous pouvez. Surtout que moi j'essaie de paramétrer ma tablette. Ah, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, ben bonne nuit live et n'oubliez pas que vous êtes pas les meilleurs parce que vous êtes 0. Prendre de tout, prendre de coups. Ah, bah ouais, vu que vous êtes 0, vous pouvez pas être les meilleurs. Il y a personne. C'est bon, allez, bonne nuit. Alors. Bonne nuit, les loueurs. Tiens, dans vos culs, Mac. Ah, je crois que j'ai désinstallé Skype, hein. C'est cassé quoi, en plus ça prend de la place pour elle. T'as vu? Ah, ça me fan, mec. Ah, je voulais faire du dessin là, il vient me casser les couilles, je peux plus en faire. Mais c'est pas que je peux plus en faire, c'est qu'il y a plus la pression qui est détectée, donc ça sert à rien. Ça me fait la pression. Ouais, bah, oui, c'est genre, ça me fout la pression, genre de trucs. Je parie que t'as mis min size. Regarde, dans ton pinceau, min size. Je mets quoi? Minecraft. Je pense que tu vas être... Je pense que tu l'as mal mis. Eh, Dragi. Eh, ouais.
sais que tellement je me branle sur toi. Et ben mon zizi il est tout dur et tout rouge. Il y a plein de sang qui coule. Hein. Non, là, et toi, tu parles de ça comme ça. Blague de trop, c'est du blague de trop. Hein? T'as fait la blague de trop. C'est la blague de trop. T'as vu comme il tisse la bite, bah putain. C'est la vérité. C'est qui m'a dit qu'il m'a fait. Ah ouais, pas comme il. Le comme il. Passez-moi. En plus, même pas dire que je. En plus, le pire, c'est que je sais pas. Encore, il y aurait la pression qui marcherait pas, d'accord. Et là, chaque fois que je tape, il y a un truc de merde qui fait, et du coup, il y a une latence quand je mets mon texte. Là, je peux rien faire. Tu sais, c'est bien de coup ou pas de rager? Thank you. Ah, c'est quoi que tu me dis de faire? Thank you. Va te coucher, toi, ouais, sale bâtard. Thank you. J'ai eu ta mère, quoi. Vas-y, range-toi. Kiki, carotte, Kiki. Oh, Kiki. Oh, c'est des bâtards, mon Kiki. Allez, range-toi, va te coucher, Kiki. En plus, attends, il est en live et sur Discord, c'est marqué jeu à YouPorn inclus, je sais plus quoi. Oculus Rift. Oculus Rift. En plus, il en a même pas de Oculus Rift, le mec et tout. Je vais sur grand télé, couilles des familles et tout. Ah, alors, je crois que quand t'es couilles arrive que t'as tapé une queue à l'Oculus Rift sur YouPorn. Bon, voilà. Allez, j'y vais. Vas-y, range-toi. Je sais pas, dis bonne nuit, les copains. Bonne nuit, biatch. C'est bon, il est parti. Ah, putain, il est là. Il est plus là. Ouais. Putain, il m'a cassé les couilles, ce fils de pute. Il est dans son dos. T'as vu le mec qui vient, il casse les couilles. T'es putain. T'as envie de le frapper. Putain, c'est un cul. Bon, hein. Eh, vous parlez moi. Non. Ok. Venez, carotte, on t'aime beaucoup. Night. Tadam. Putain. Bon, voilà. Eh, copain. Dragi, il est pédé. Voilà. C'est du PD en plus, il est PD. Le mec il se prend des bites à des kilomètres. Ah maman? Ouais. Pardon maman. Est-ce qu'il veut me sucer la bite? C'est vrai qu'il y a fait à peu près de. Oui! Regarde, déjà, je suis pas le bruit. Oui, ça prouve qu'il est gay. Ah oui? Oui, c'est moi. Plus loin? Putain. Dragi? Plus loin. Ouais, moi j'y vais. Salut. Bon, t'es pas drôle. T'es joli. Magnifique. T'es genre. Ah, il a quitté. T'es du lait. Pourquoi ma tablette graphique n'est pas détectée? Pourquoi ma tablette graphique elle est pas graphique? Ouais. Mais. Non, mon. Ouais, le bonus. Vas-y, range-toi. Puis l'autre. Tilu. Putain, fils de. Ah, bonjour, Karas. T'es mes mains? Alors. Eh, Dragi. Quoi? Tu vois ce qui te sert de couille? Et bah, c'est ton petit que des Dragibules. Putain, de toute façon, c'est vraiment un gros fils de pute. Salut, Karas. Ah, salut, fils de pute. Ça va, mon copain, va vivre la vie. Fils de pute, c'est toi. Charles de Gaulle. Ah, c'est sûr que tu te bats, t'attrapes la gueule, hein, tellement t'es gay.
Ah, c'est un PD. Galé. Il a la gueule quand il me voit, putain. Non, je suis général de gueule. En plus, j'ai été voir sa mère. Putain, ouais. Et Dragi. Ouais. Tellement t'as une petite bite, quand tu grattes les couilles, et bah tu la perds. Non, bah t'as Dragi, ouais. Et je te sperme dessus. C'est moi une petite bite que quand je te gratte les poils de couilles, et bah t'emportes des poils et tes couilles. Tu la cours. T'as vraiment une petite bite que quand tu grattes les couilles, et bah tu fais. Et tu regardes ce qui est coincé entre ton ongle. C'est pas tes poils, mais c'est ta bite. Ça m'est jamais arrivé de gratter les zizi après, bah y'a la peau qui se coince dans le même temps. Et bah, vu que c'est un peu, bah c'est tout le zizi ensuite, t'as compris. Vous avez compris. T'es là. T'es là. Hier, j'ai voulu faire des pâtes et j'ai pris un paquet de nouilles et j'ai retrouvé ta petite bite dedans. T'es là. Les nouilles, c'est grand quoi. Hey, thank you. C'est moi. Ta mère, c'est quand même pas Nutella, on l'a fini tous avec les doigts. J'avoue. Hey, Dragi. Ta mère, c'est comme un barbecue, on y trempe tous notre saucisse. Eh, vous deux. Vos mères, c'est comme des trous de nez, on y met les deux doigts. En fait, on a beaucoup de tablettes quand tu veux dire. Non, j'ai dit vos darons, c'est comme des trous de nez, on y met ses deux doigts. T'es mort. Patrick, c'est extrêmement du bon ce soir. Je devais pas être touché par hasard. Ah ouais, t'es un nana. T'as mangé un clown. Un clown en Franck, c'est ton mal, on va se balader dans le cul, je m'appelle Théo. Trop de mots à assimiler la fois. 1, 2, 3. Bonne nuit à tous les amis, je ne reviendrai pas. Oui. Désolé. Oui. Bon bah du coup je te laisse faire ton live tout seul, vous savez que tu y es déconnecté. Ouais, salut. Mais je fais pas de bruit.
Charles là. La tablette ne s'exécute pas, putain. Ça fait trois fois que j'aurais d'avoir mon PC. Le gars là, con. Ah, c'est cassé que depuis déjà tout à l'heure. J'étais en train de dessiner tranquillement. Et il vient se péter, il crache. Du coup, moi j'éteins. Souci de plus de et de temps en temps HS qui a un problème qui est service au Complex. Si on démarre, je suis pas une réinstallation. Je me prends de la vie. Moi j'ai redémarré ça encore, mais ça sert à rien. J'ai des couilles, justement. Je mange que ça. Et la 10, tu peux quand même prendre du coup. Le pilote, et de temps en temps, HS, qui est un problème. Il faut que je poste. HS, en vrai, j'ai juste le record. J'essaie de trouver mon problème parce que ça me dérange fortement, j'aimerais bien dessiner, mais c'est impossible. Attends, je suis même pas connecté avec mon compte. Avec le compte.
ça fait du bien de craquer comme ça. Tes cheveux ils sont verts. Ah, par contre mec, je sais pas ce qui t'arrive maintenant, t'as pas de redémarrer, enfin ça s'arrête tous les deux secondes. Insupportable. On dirait le skin de carotte mec. Eh mais gros, ouais, ça arrête tous les deux secondes ton live. Ça le faisait pas, là ça le fait. J'ai mis entre parenthèses commande. Dessiner le fils de Zoro. Tu dessines le fils de Zoro? Ouais. C'est ça ta commande? Putain, qui est enculé. Il veut pas me faire de dessin, par contre, il veut faire des. Putain. Les gros bâtards. C'est ça ta commande? Putain. Fous la mort, lui. Que tu préfères faire par contre quand tu m'as demandé ton truc à la con, j'ai fait direct ton texte et pourtant ça a pris une heure. C'est pas pareil. Comment ça c'est pas pareil? Dessin un texte avec
Là, t'avais juste à remplacer toutes les skins du mec par mon skin, ça aurait été bon. On se casse la gueule, toujours.
Ouais, j'avais compris. J'espère que là t'as marché, sinon j'ai dessiné ce papier, mais c'est le fun. J'étais chaud pour faire des dessins sur le. Pour m'entraîner à la tablette graphique. Mmh. Ouais, c'est chiant. J'ai vu dans des forums, ils disent que c'est. C'est le Wacom qui est bloqué, mais je sais pas. Ouais, c'est. Avec ma tablette, j'ai jamais eu de problème. Non, moi non plus, c'est vrai. Ah bah d'accord. Alors mec, je t'explique, le problème qui marchait pas, et je me suis dit c'est con, c'est qu'en fait comme j'ai mis tous mes presets sur un port USB, et que j'ai changé parce que j'ai envie de les changer, et bah du coup, et bah, en fait, tous mes presets bah, étaient restés sur le... Bah, ils n'étaient pas détectés parce que pour lui, bah, le port USB que j'utilisais n'était pas fait pour la tablette graphique. Voilà, on adore. Une parce que je suis un cassos. Ingénieur informaticien. Mec, t'auras des bonbons. Ouais, ça me pète les couilles pour moi parce que du coup j'ai pas lu le thème. C'est pas grave. Ouais, c'est tranquille. La nuit nous appartient. Exactement. Ouais, j'ai quand je clique sur. Il se passe quoi. Ouais. Et là on va mettre U. Donc je suis content les copains. Je vais pouvoir dessiner. Tiens, ouais. Non, pas concours parce que je sais que je vais pas le faire. Mais je sais pas. Je pense à un truc à mettre en live histoire de faire venir les gens. Bon, le seul truc que je vais devoir faire, c'est résolution. Étendre l'affichage, on va mettre. Du dessin, de la modélisation 3D, des intros MC, je sais faire des skins Minecraft. Ouais, je suis bon, je fais pas mal de choses. On a quand même touché quand même à pas mal de choses. Sauf qu'à ouais, lui, il est pas créatif. Si je fais un tout petit peu de programmation, genre vraiment un tout petit peu, un peu de programmation. J'ai déjà essayé de faire un jeu sur Roblox avec. Mais ça me pète les couilles, mais je sais faire un peu, tu vois. Je vais pas te faire un jeu vidéo, mais je sais te faire des programmes un peu débiles, genre. Je sais pas, je sais faire une calculatrice, des coups, trucs comme ça. Ouais. Moi sur Scratch, j'avais réussi à faire un jeu. Ah ouais, mais toi c'est sur Scratch, moi c'était pas sur Scratch, c'était sur. Comment ça s'appelle ? Sur Cubic, un truc Cubic, un truc comme ça. Ouais, Cubic. Non, pas avec Cubic, je te dis bien. Ouais, genre c'était un truc comme ça, mon père m'avait appris. J'avais fait, mais il n'y aurait plus de logiciel, mais j'en ai fait. Enfin, c'est un peu chiant, mais en fait, il faut juste savoir un peu parler en anglais. Et c'est bon. Et moi, en plus, ça fait un petit moment, j'ai pensé que je vais me faire une petite musique, une petite instrumentale, bien sympathique. Je trouve que c'est vraiment, je trouve ça important de toucher à tout. C'est l'écran 1. Affiché bureau uniquement sur l'écran. Voilà. Faut que je passe aussi ASMR, ça j'ai pas encore. Je vais mettre ça à 30 ans. Ça j'ai pas encore fait ASMR. J'ai éteint mon deuxième écran comme ça sera mieux. J'aurai le mot tout à l'heure. Là, j'ai ce qui est chiant, c'est sur mon écran. Tout le temps, sur mon écran, il y a des fois, il y a des petites tâches. Je vais aussi augmenter ton son, c'est tout comme je suis genre ça. Putain, le coussin était mon goût pour la chaise, bâtard. Ça, je t'ai niqué. J'ai niqué le morceau. Alors, tu. Ce qui est bien avec une tablette graphique, c'est que tu peux te prendre dans le lit avec, c'est mieux. Hein? Toi, du coup? Tu peux te mettre avec dans ton lit, la tablette graphique. Mmh. Avec un écran. Ouais, mais par contre. Par contre, c'est pas moi, je sais que mec, quand je m'achèterai une tablette graphique avec.
l'écran. Je crois que j'en ferai tout le temps. Il n'y a plus de papier. Ouais, ça servira à rien, papier. J'ai un problème, si tu veux, ma tablette graphique. C'est chiant, en fait. Déjà qu'en fait, encore j'arrive à la tienne, tu vois, t'as l'espace. Alors que là, t'as rien, t'as pas d'espace. Genre, elle fait la taille, même la main, elle est... Enfin, bon, je l'abuse un peu. Genre, au niveau de la longueur, mon... Comment il s'appelle? Le majeur, je crois, le plus long, c'est le majeur. Bref, celui du milieu, là. Et bah, tu rajoutes 1 cm et ça fait la taille de la tablette. Jamais l'outil de sélection. Pourquoi tu le fais pas là? Tu t'entraînes? Parce que je suis trop stylé. Bon, je me dis, ah mec, j'arrive pas à dessiner sans musique, c'est horrible. Par contre, ça fait bizarre d'être sur un écran. Pas sur mon PC en tout cas. Sur un autre PC, ça me fait rien, mais sur ce PC, ça fait bizarre. Fantastique, nickel. La pression est plus vite que les deux secondes, elle marchait bien. C'est bizarre parce que quand je désactive mon deuxième écran, et ben ma pression elle marche plus. Genre la tablette elle marche nickel, mais la pression elle marche plus du tout. J'utilise CTRL T ou pas des fois? C'est quoi? C'est en gros quand j'ai fait un truc qui est pas mal et que t'as un peu de mal, des fois je l'utilise pour le redimensionner. C'est pour redimensionner ton trait, genre tu fais CTRL T. Quand t'appuies sur CTRL et tu le modifies sur le côté, genre comme ça. Okay. Ouais, c'est vrai, des fois, parce que quand j'ai du mal. C'est un mec
avec, c'est quand tu es aussi bon de la main droite que de la main gauche. Genre par exemple, tu t'es blessé, genre je sais pas, tu dois écrire, t'as pris mal à la main droite, tu prends ta main gauche et ça change rien. Moi j'arrive pas avec ma main gauche, j'arrive à écrire avec ma main gauche, mais dessiner c'est impossible. Ça crée un calque à chaque trait. Ce qui m'énerve hein, sur mon stylet, c'est les boutons. Je trouve qu'ils sont tellement mal placés. Enfin, c'est un raccourci, tu vois. Mais ils servent à rien. Je suis obligé de. En fait, comme je bouge beaucoup mon stylet quand je dessine, ils l'ont mis que d'un côté, tu vois. Et je trouve ça tellement. En fait, tu as découvert que son. Comment sont mon stylet là, quoi. Ah, enfin, j'ai pas que tu mets, c'est que ton rouge.
Ouais, j'ai l'impression de mettre le CTRL-Z, du coup je crois que je suis obligé de le faire. Ouais, il y a plein de raccourcis, c'est ça qui vient sur le hein. Ouais, il y a plein de raccourcis, c'est ça qui vient. Eh mec, je t'entends pas, tu peux pas parler un tout petit peu plus fort. Ouais, y'a pas ça. De... Ouais, y'a plein de raccourcis, c'est ça qui vient. Ah ouais, moi y'a rien, enfin, moi y'en a 4, tu vois. Mais je les ai pas paramétrés, enfin, y'en a. Ouais, non, y'en a 5 sur ma tablette, plus 2 sur ma souris. Non, 3 puisque j'ai le double clic. Ouais, y'en a 9. 10, 11. Donc en tout, ça me fait. Ouais, y'en a 11. Allô ? Ça me fait. J'ai 4. Moi j'en ai 11. Moi j'en ai 8 à peu près. Si je compte les double clics et le bouton clic. Et on va dire que j'en ai 6. Moi j'en ai 11. Le truc c'est que j'ai trop la chaîne de l'étranger. Ouais, c'est utile la table de PC mec. Genre le temps que tu gagnes à faire par exemple des papier-coller et tout comme ça. C'est bien mais d'un côté c'est un désavantage c'est que t'apprends moins. Par exemple tu vois t'as fait un œil qui est mieux que l'autre. Tu vas pas te dire ah putain c'est chiant, il faut que je casse le cœur en fait. Juste à copier. Pas trop mes bruits de zoom et tout. Normal. Direct du tryhard d'une manette. Tu dis quoi? Direct du tryhard d'une manette. Ouais, je comprends rien, mec. Direct du tryhard d'une manette. Non, c'est que pour des zooms, pour avoir à chaque fois un rendu. Moi aussi, tu l'entends. Moi, ça fait vraiment des bruits aigus de ouf.
pas mis de la musique sur ton live tout à l'heure. Si, mais je l'entendais pas.
coloration. J'ai fini la coloration. La coloration. Va check sur le live, donne-moi ton avis. Ouais, c'est stylé. Par contre, en fait, le thème c'est le fils de Zoro en gros. Ouais. Le sabre il est pas ouf. T'aurais dû faire un katana. Mais sinon, c'est stylé. Merci. Enfin, ça aurait plus collé avec le thème quoi. Parce que là, on dirait plus un sabre de pirate qu'un sabre de ninja. Non, mais c'est un apprenti. Ouais, mais. Genre, ce que je veux dire, c'est que c'est. T'as vu, genre, Zoro, il a un sabre, il a pas une épée. Oh, tu juges de trop. Je juge pas ta mère, je te donne juste un conseil pour la prochaine fois. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. C'est pourquoi tu. Pourquoi il a deux couleurs. Deux yeux. Yos. Parce que je voulais le faire style. Le fun. The funny. The funny man. Moi j'ai presque fini le. Gaga. Des fois tu mets aussi du bleu dans les yeux. Moi je mets du bleu foncé et après je mets. Je change. Bah c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, du coup je fais. Gaga, je vais te montrer comment ça. Comment on fait. Comment je fais moi. Et je regarde quand je change. Ah, mais toi, tu mets du bleu clair. Ouais, mais tu fais comme ça. Moi, je mets plus du bleu violet. Je sais pas, je sais plus. Tu mets de shade. Ouais, c'est beau, mais faut quand même mettre du noir. Enfin, d'une couleur foncée. De toute façon, après, il y aura une autre couche de. Ouais, bon, c'est la première ombre. C'est stylé, c'est la première fois que tu fais ce style de cheveux, non? Ouais. C'est joli. Juste un conseil, tu vois, genre la mèche à droite. Enfin, la mèche tout à droite, là, vers l'oreille. Ouais. Juste gommer un petit peu le trait en haut. Non, t'inquiète. Parce que du coup, là, ça se voit trop. Que enfin, je sais pas. Ah, la bite, elle est dure. Coucou. J'ai fini le visage. Merci des conseils. De rien, copain. De ton avis. Mon avis. Je comptais faire mon personnage, mais non, du coup, je vais faire un personnage qui est dans ma tête. Ce que je vais faire, c'est que tu vois, je vais le laisser libre d'adoption. Genre, je sais pas si t'as vu. En fait, genre, tu mets que les gens, en fait, ils peuvent miser un prix. Genre, enchérir le produit. Sur Twitter. Sur quoi? Sur ouais, Twitter. Mais oui, mais tu vas pas le vendre, ça. Si. Mais tu vas le vendre à qui? Personne veut de ça. Non, c'est pas leur dessin, quoi. Bah, s'il y a quelqu'un qui veut un truc Zoro. Parce que je le laisse pas libre de droit. Mais c'est con. Bah non. Tu devrais plus. Mais tu peux pas. Enfin. Tu peux pas faire gagner. Dans ce cas, si t'aurais voulu enchérir, t'aurais dû me dire. Genre par exemple, tu prends ça, tu dis qui en veut un, j'enchéris, et je lui fais un personnage. Tu peux pas prendre le personnage comme ça, qui vient de ta tête et le faire donner. C'est comme si moi je prends mon skin, enfin un skin que je. Je sais pas. J'ai vu ça sur Twitter. Ah, mais sur Facebook, j'avais déjà fait ça moi avec des skins. Genre j'avais fait un skin, j'avais mis une preview, et j'avais mis des enchères qui commençaient à 1,50€. Et au final j'avais vendu 4,30€ le skin.
Et du coup, bah, le mec, il a eu son skin Minecraft. Aïe. 8. 4 euros, ça fait mal. Bah, le mec, il a eu mal, mais moi, j'étais content. 4 euros, alors que de base, les skins, je les faisais vendre 55 skins. Pourtant, je me suis dit. T'es gavé. Je me suis mis bien. Et le mec, il était content, tu vois. En fait, genre, je pense que le mec, je pense qu'il a pu jouer parce qu'il avait rien à faire. Que tu vois, genre. C'était en plus le mec qui était majeur, donc. En bataille, quoi. Donc, il est majeur, il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il veut te tuer? Maman? Oui, mais. Eh ben, il y a un monsieur, il m'a arnaqué. Mais t'as 18 ans. Mais quand même, hein. Help me, please. Fucking man. Puni. Putain. C'est quoi, vas-y, monsieur, je vais faire qu'il... monsieur. Screen, je vais mettre sur Twitter. Parce que je t'ai envoyé un screen. Bon, les traits sont pas aussi fins que d'habitude, puisque j'ai fait la table graphique. Je rectifie ça. Et le nid, j'ai un peu de mal, j'ai pas de pinto. Je rectifierai avec les couleurs. Parce que... Drop. Shots.
l'étagère et pour la main. Il y a juste aussi un truc que je peux te dire. Dans la main, dans le poignet en tout cas. C'est au bout là qui sépare le bras et la main. Genre juste faire la coupure un peu plus arrondie. Ouais. Parce que du coup là t'as l'impression que c'est le bras de Luffy, tu sais, quand il le jette. Enfin, il est tiré, tu vois. Parce que je sais pas ce que je veux dire. Il y a un élastique. Pareil. Swag. Ah moi là je kiffe mon petit dessin. Je kiffe. Petit chibi. Sur Discord, du coup. Je trouve que notre live il est sympa. Bon, il n'y a pas grand monde pour l'instant. On verra. De toute façon, en principe, quand les mecs ils ont des commandes, ils aiment bien. Genre... Enfin, moi, genre avant, quand je faisais des live commandes, les gens ils aimaient bien. Ils étaient contents, ils regardaient leurs commandes progressaient. Ils donnaient des. En même temps, ils donnaient des avis. Il y en avait qui s'étaient casse-couilles. Ouais, non, fais pas ça, si, fais pas ça, ça. Donc je les écoute pas parce qu'ils payent les couilles. La plupart du temps, les gens les écoutent quand ils demandent. Genre... Je sais pas si toi t'as déjà fait des commandes en live. Non. Parce que les gens ils aiment bien regarder. Si j'en ai déjà fait des commandes en live. Toi, tu tombes comme des mecs qui sont chill, ils sont cool. Tu tombes comme des mecs qui sont casse-couilles, pète-couilles. Il y en avait un même un mec qui va. Une fois. Je suis passé grave du temps sur sa bannière et tout. Et genre le mec qui vient, il me dit ouais, par contre, dépêche-toi. Et ouais, ça va pas, si, ça va pas, ça. Dépêche-toi, sinon j'y tire. Et tu peux t'en reculer. J'ai changé, j'ai refait des rendus. Et j'ai giveaway la bannière. Des gens, il n'y avait pas grand monde, tu vois. Mais à bannir. Du coup, je comptais lui faire le reste du camp, mais non, je pense que comme ça, c'est stylé. Je t'ai grave mon dessin en vrai. Moi, je teste le nouveau style de dessin, du coup. Maintenant j'arrête de faire les traits directement tout noir, je sais pas, je suis moins fan qu'avant. Genre, déjà avant les traits, je faisais noir tout le temps. Et maintenant je. C'est toujours vers le noir, tu vois, mais je mets un peu de rouge, tout comme ça, je sais plus, ça plus joli. Comme j'ai fait moi les traits. T'as fait comment toi? Ils sont un peu violets. Sur le. Et ça se voit pas, mais. Attends, tu fais un zoom dessus. Ouais, voilà, comme ça, ouais. Ouais, bah ouais, maintenant ce que je fais, parce que je trouve que c'est plus joli que. En fait, ça fait moins de. C'est moins. Ça fait moins fade, quoi. Ça ajoute un peu de couleur. Là, je kiffe la musique du mec de fou. Je l'aime en double, c'est une de mes musiques préférées. Laquelle? Celle que j'ai mis. Ouais. Moi j'ai un double son parce que j'écoute la musique du coup. Et puis j'aime pas vraiment en double. Par contre il y a une différence. J'ai sur mon téléphone. Ah, moi j'arrive pas à écouter tout le temps de la musique. Genre, par exemple, le matin, je me vois pas du tout écouter du rap, tu vois. Le matin, tu mets une petite musique, je suis tranquille, là, nickel. Et le matin, tu mets une musique de rap, t'as envie de niquer des mères quand tu l'es. Ah, ouais, c'est vrai. Toi, t'es là, tu te lèves.
Et ta mère, au fils de pute, on vous baise. Allez. Carlos, regarde Carlos. Je vais juste me lever. Les 10 000 sucres que tu m'as donné, j'ai pas essayé. Et j'essaierai tout à l'heure. J'ai dit tes dimensions que tu m'as donné, je vais les prendre au prochain dessin, puisque là j'ai commencé avec celle-ci. C'est les meilleures dimensions que tu peux utiliser sur Painter pour les bannières. Et mec, je t'avais pas dit, tu sais qu'Asuka il arrête Minecraft. Ouais. Dans sa dernière vidéo, il a dit que c'était de la merde. Il a dit que ça lui a valu 5. Ça lui a valu 5 ans pour qu'il comprenne que c'est de la merde. Sur des jeux vidéo. Et enfin passer du côté comme nous. Sorti du côté obscur. C'est vrai que je me suis rendu que c'est de la merde, tu vois. En soi, j'ai pas
Minecraft c'est bien. Voilà, ce qui veut dire le contraire, c'est des fils. Mais c'est qu'il y a plein de jeux à découvrir. Et puis oui, déjà ça, et surtout que ce qui est pas bien, c'est la communauté qui est devenue mieux. Ouais. Moi quand je suis arrivé sur Minecraft, j'avais jamais entendu parler des cheaters. Mais je suis venu, moi je regardais les vidéos de Puppy Games, je faisais du soupe. Moi c'était en PvP faction sur Funcraft. Le tout premier. Je suis venu avec mes copains, c'était en CM2. Moi aussi sur CM2, j'ai joué, mais moi je regardais, je faisais du... Moi j'adorais le PvP faction. Moi je suis arrivé, c'était pour faire du soupe sur les serveurs de guerriers, j'avais bien kiffé. Après je me suis mis au PvP, PvP faction notamment. Genre sur les serveurs de... Genre les Battle News, comme ça. Et le PvP, j'ai fait du PvP faction aussi sur les serveurs. Tu vois plus comment il s'appelle, c'était pas Gary. C'était trop bien le PvP faction. Ouais, moi je m'en souviens. Avec des 5e dans mon collège quand j'étais en 6e, ils m'avaient invité dans la faction et tous les soirs on se donnait rendez-vous, c'était trop marrant. Je pense que si j'ai raté Twitch streamer pour un live qui est sur YouTube, ils vont m'insulter. Ah, c'est une question. J'ai pas du tout. La dernière fois j'ai évité, mais je peux toujours tester. J'allais passer un petit moment en bonne compagnie. Dessine, il y a bien au NT, pas que tu m'insultes, tu me casses les couilles en disant avec ça. Oui. Parce que c'est comme nous dessiner. Je sais pas, c'était pour être sûr. Il va me le rabâcher 45. Petit smiley avec qui tire la langue. Ah oui, si je mets le lien Twitch, ça va être compliqué. Il est grave prestigieux, mon personnage. J'adore comment il se tient droit. Je le kiffe. Tweeter. C'est vrai que c'est joli. Est-ce que tu comptes faire des shades comme tu avais fait avec les petits aides? Est-ce que tu comptes faire des shades comme avec les aides? Non. C'est un dessin propre. Tu signifies qu'on est seul? Ah mais d'accord. Non. Non, c'est pas assez dit. T'as des dessins avec plein d'effets, t'as des dessins où il y en a moins. Tu dis qu'on était seul. En plus, d'accord. Sacré thank you. En plus, tu dis que je suis un trou du cul. Avec ça. D'ailleurs, quand à Mongol, je suis avec un pinceau, je suis à 1, je me dis, il est où mon trait?
rajouter plein de sauce. On dit des plein de sauce. Moi j'entends des plein de sauce. Des plein de sauce. Ça a retardé. Non, en fait, c'est juste que c'est pas français. Et genre, pour moi, genre, quand il le dit, je sais pas ce qu'il dit, mais pour moi, genre. C'est des hallucinations auditives. Ouais. Tu l'as vu la vidéo de. Tu l'as pas vu. Ah mec, tu peux me dire une couleur de cheveux? Violet. Ah, ça tombe bien, j'ai une idée. C'est pas pour moi, c'est... Enfin, de base, je voulais faire un personnage pour moi, mais... Ça me ressemble absolument pas, donc je vais pas faire. Et puis, j'aurais moins de mal. Je sais que si je fais pour moi, je vais passer 10 ans à le faire. Et si je fais pour quelqu'un qui fait. Tu viens de nous dire que tu fais de la merde pour les autres. Non, je viens de te dire que pour moi, comme c'est mon avis à moi, c'est toujours chercher la perfection. Comme c'est mon avis à moi, et pas l'avis des autres. Alors que l'avis des autres, tu vois, ils me disent ce qu'ils veulent, et puis c'est bon. Alors que quand c'est moi, et ben je sais. En fait, j'ai tellement d'imagination. Je sais pas ce que je veux exactement, tu vois. Pas plein d'imagination, mais j'ai plein de choses qui. Plein d'idées, quoi. T'as commencé à plus vite en vrai à la table graphique, mec, c'est plus. Mais ça va, j'ai pas. Enfin, j'ai moins de mal que des. Regarde les yeux, je lui ai fait, je kiffe. Regarde le mec, parce que début de son live, il se fait sa bite. C'est stylé. Tu sais que si, si tu montres juste à partir du t-shirt, on dirait le logo de carotte, enfin le skin de carotte, en un peu plus pâle au niveau du personnage. Mais c'est le live, ça. C'est le live, il fait un effet de chaleur. Enfin, normalement. Non, c'est pas ça. Comment ça se fait que ça claircit que... Non, c'est pas ça le truc, c'est que. Bah, après, tu peux le modifier avec OBS. Non, non, mais sur mon rendu OBS, c'est normal. Sur YouTube, c'est clair. Non, mais c'est que moi, avec mon écran, il est génial en mode gaming. Je te parle dans tous les cas. Comme t'as mis du vert et du blanc. Je me bats les couilles. Si tu t'en bats les couilles, quand même, je te dis que quand j'avais le truc. Quand j'avais le passage des carottes, comme il y a des cheveux verts. C'est bâtard. Y'a rien du tout en a. Oh putain, je bégaye comme un gros fils de pute. Qu'à toi. Y'a rien à voir avec le personnage de carottes. Je te. Et ta mère, je te parle des couleurs. Ouais, c'est le dessin que t'avais fait avec carottes. Comme il a les cheveux verts. Et là, le t-shirt blanc, je t'ai dit à partir du t-shirt blanc, j'ai. Ouais. Carrot. Le meilleur histoire. Mais... Cossack me please. Le Victor en guise de. Deck. Deck. Deck à 47. J'ai plus, tu vois, genre, c'est con, tu vois, y'en a qui vont dire, ouais, mais tu mets plus de temps. Genre rien que pour colorier, j'aurais pu faire sélection et prendre ma souris, ça aurait mis 10 secondes. Mais j'ai plus de plaisir à colorier directement avec le stylet. C'est pour ça que c'est bien une tablette graphique avec écran, car tu as vraiment le plaisir de colorier. T'as vraiment ce plaisir là, au plus profond de ton âme. Ouh, ça m'excite. Non mais tu vois, genre, là, tu vois, j'ai fait 3 mèches. Avec lui, j'aurais déjà fini sinon. Mais genre. C'est. Ouais, c'est comme si en fait t'avais tout le matériel qu'il te fallait, vu que t'as la tablette graphique. Par exemple, tu vois, genre moi, si je dessine à la. Moi aussi, je me complique la vie. Alors que j'aurais pu faire la sélection, mais j'ai. Je pense que ça détend plus. Ouais, c'est ça. Genre, si j'aurais été.
En fait, tu vois, quand t'es, par exemple, moi, je sais pas toi, ouais. Moi, je sais que des fois, quand je dessine, j'ai envie de, de colorier mes dessins. Sauf que j'ai pas envie de les colorier parce que j'ai pas les bons matériels. Je commence à quelle heure le live? Ça doit faire 1h30. Ouais. Tu peux le voir sur OBS. Ouais. Sur YouTube aussi. Ça fait bientôt 2h. Putain, non. J'ai été 2h sur ce putain de personnage. Ah ouais, je sais pas, genre, t'as vu par exemple là, moi je passe 2 heures, enfin là par exemple moi ça doit faire, je crois bah, quand toi t'as commencé le coloriage, ça doit faire 1 heure que t'as commencé à colorier. 2 heures. Non, t'as c'est commencé que... à colorier le personnage. Ah, ouais, il y a 1 heure. Ouais, il y a 1 heure. Moi j'ai commencé, bah il y a 1 heure du coup. Et genre, ça passe hyper vite. Que là, si je serais en cours, je me ferais tellement chier. Là, je préfère ouais, faire du... C'est une toute la journée qui va être en cours, mec. Tu as 2 heures. T'as vu comment ça passe vite? Mm. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà 2 heures du matin. J'ai pas remarqué. Je sais pas si t'as remarqué. Si on a beaucoup de commandes, je m'amuserai pas. Je prends l'outil de sélection. Rac. Moi aussi pour les dessins à venir, je peux faire la sélection, c'est trop chiant. Sans sélection. Bah, c'est pas que c'est chiant, c'est que quand t'as plein de commandes, ouais, si c'est casse, tu perds de temps. Juste parce que le mec a envie d'avoir un plaisir de dessiner. Putain. Quel bâtard. Passe une pause. Je suis plus bonne des compètes, je crois. Sans branle. Ah, moi je suis bien en vrai. Parce que. Ouais. Moi je suis en vacances. Oui, fils de pute. Demain t'as cours. Ouais, quand je serai en vacances, toi tu seras plus en vacances. Non, si je serai en vacances en même temps que vous aussi. Parce que toi t'es en vacances en mars. Je sais pas du tout. Vous êtes en vacances avant mars à peu près. Et du coup, bah, moi je. Comme en fait, j'ai une. Enfin, je serai là pendant une semaine, donc j'ai 3 semaines de vacances. Parce que, comme genre. Tu sais, il y a un voyage en Angleterre. Et moi, bah, j'ai pas le droit d'y aller. Et du coup. Pendant une semaine. Parce que je sais pas si je t'avais dit, genre. Au début de l'année. Avec un survivant, genre il y a eu un problème. Ouais, tu me l'as dit. Ouais, on était là, c'était battu, hein. Enfin pas vraiment battu, mais genre. Il y avait les mains, quoi. Et du coup, comme pour eux. Mais genre, tu vois, pour eux, c'est moi qui a frappé le survivant, c'est limite, j'ai poignardé. Bon. Autant, vous, le roi là, je suis pas quelqu'un de violent, hein. Enfin. Pourtant, ta tête. Encore une fois, on se dit pas, ah ouais, il est tout sage lui. Bah, si j'enlève mes lunettes, oui, mais quand avec mes lunettes, j'ai une tête d'un télo. Une tête de gentil. Quand tu te bats, tu enlèves tes lunettes, tu fais, y'a quoi maintenant? Oh, t'as quoi, sale bâtard? Ah, t'as cru que j'étais d'un télo, là, et nique ta mère, vas-y, arrache. C'est bon, hein? Tiens, mon goûter. Ah, t'as pas 2 centimes en même temps? Il manque 3, il manque 2 centimes pour m'acheter un pain chocolat. Tiens, 4 centimes. Ah, tiens, 3 euros. Toi. Tiens, 20 euros. Tiens, 20 euros. Tiens, 30 euros. Non, 40, 50. C'est bon. Vas-y, 1000. Ah ouais, gros, ça faisait champion d'après. Genre, quand moi j'essayais de gratter. En fait, il manquait toujours quelques centimes à chaque fois. Parce que pour acheter à manger, genre, moi je kiffais quand je chantais de l'école primaire avec mon pote. On kiffait aller dans un petit magasin et tout, et genre le mec était hyper sympa. Mmh. Mais le truc c'est que tellement qu'il était gentil, à chaque fois il nous disait, genre par exemple il nous manquait 1 euro, il disait ah bah c'est pas grave, tiens je te le donne et tout, quand t'auras de l'argent, bah tu me rendras. Et c'est qu'il nous faisait tellement ça, c'est que. Il nous faisait tellement ça, c'est que. Bah, on lui devait au final 12 euros. Et du coup, tu vois, genre 12 euros, tu vois, les plaques, c'est. Enfin, les plaques, genre, quand t'es gamin, bah c'est énorme. C'est mal. Ouais.
Même 1 euro, déjà, je suis content pour toi que t'as 1 euro, t'as 15 euros. Après, je sais pas si t'es déjà arrivé, moi je me dis, putain, toute la thune que j'ai dépensée en nourriture, j'aurais pu m'acheter plein de trucs. Moi je m'en fous, je dépense pas en thune en nourriture. C'est ma mère qui m'achète des aliments. Alors moi j'aime bien ça. Ouais, mais non, mais je sais, non, mais genre j'aime bien sortir moi quand j'ai du voyage à mercredi ou le vendredi avec ma pote. On va au McDo ou tout comme ça, on va à KFC. Moi si on m'achète pas de la bouffe, j'achète rien. Ouais, tu sais, c'est incroyable. Genre, tu vois, si ma mère me faisait pas bouffer, je mangerais pas beaucoup. Genre, moi j'ai un pote. Genre, des fois quand ma mère elle partait. Des fois j'ai oublié de manger. Ouais, mais t'avais qu'à me faire à manger, poufias. Du quoi ça le bâtard? Ah, excuse-moi, maman. Ah, moi j'avais un pote. Genre, chaque fois que je lui achetais à manger. Enfin, genre des cochonneries, tu vois, de la merde. Genre des chips, ouais, comme ça. Tacos et tout. Et genre, pour Noël, il y avait 200 boules. Et il m'avait donné 50 boules. Pour faire pardonner, pas faire pardonner, rembourser. Au début, j'ai dit non, tu vois. Au fond de moi, je lui ai dit, ah, vas-y, insiste pour me les donner, insiste. Il a insisté, du coup, j'ai dit, ah, vas-y, accepte. si tu étais un. Ah putain, je me suis. C'est comme le mec qui dit, oh, fallait pas. Bah d'accord, je vais prendre. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Non, en fait, c'est mon frère, faut jamais lui dire des. Eh, mon frère, tu lui dis jamais, ah, fallait pas, sinon tu le reprends direct. Il va pas dire t'es sûr? Ah non, ils sont pas les couilles. Mais s'il fallait pas, je reprends, je vais revendre. En plus que c'est une expression. Ouais, ils sont pas les couilles. Genre, il m'avait acheté un. Il m'avait acheté Saints Row 3, il y a longtemps, sur Xbox. Ah, moi j'étais tellement content, tellement ému, tu vois. C'était mon premier jeu de. Après. C'est pas mal, c'est. C'était mon genre premier. Enfin, c'était le premier jeu où je pouvais jouer sans avoir la permission, tu vois, parce que c'était le mien. Genre, sous le coup de l'émotion, j'ai dit ah, c'est vraiment trop gentil, comme frère, fallait pas. Et c'est enculé, c'est pas ce qu'il a fait. Le lendemain, il allait le revendre. Après, j'ai commencé à pleurer, tu vois, moi j'étais petit, j'étais triste. Oh, fils de pute. Après, mais j'ai dit, fallait pas. Et du coup, mon père, il m'a racheté. Ah, quel bâtard. Ça, c'est trop. Ouais, c'est un PD. Il est cher gentil, mais faut pas lui dire des trucs comme ça. Parce que tu sais qu'avant il coûtait cher, hein. Avant il coûtait 40-50 euros, je crois. Il avait eu 70 euros, il avait claqué toute la thune pour m'acheter. T'as le vieux Senkyu qui est en train de pleurer là. Au final, il m'a acheté une manette. Donc j'étais content. Oups. Et du coup, il avait acheté pas mal cher. Et il détestait que je la touche parce qu'il disait que j'avais moins crade. Mais du coup, bah, on a acheté une nouvelle. Que j'ai pas en prix. Moi aussi, mon frère il casse les couilles à chaque fois que je pouvais jouer à la play. Il dit ah ouais, lave-toi les mains, des trucs comme ça. Ah, par contre, moi je faisais un truc, je comprenais pourquoi il voulait pas jouer. Maintenant, ça me fait péter un câble comme ça. Enfin, à chaque fois, j'ai kiffé les chips. Tu vois, genre, quand j'étais gamin, j'aimais bien les bonbons, mais je préférais un paquet de chips, tu vois. Ah ouais. Et du coup, lui, quand je pouvais jouer, ou quand il avait sa vie, moi je jouais. Et tout le temps j'avais mon pack ici, j'avais les mains tellement grasses. Ok, oh, c'est ça. Et du coup, je t'aurais frappé à cette place. T'inquiète pas qu'il avait fait. Et genre, j'ai dit, ah, mais c'est pas grave. c'est rien, c'est cela. Et il me dit, tu vois, j'étais un mongol un peu. C'était me faire trop marrer. T'as le petit Senkyu là. Hey, oh. Hey, c'est pas trop gentil. Ah non, il passe la manette, il me dit bah vas-y, va la laver. Et après, et moi tu vois, genre, tu vois, dans ma tête, tu vois, je m'en foutais, tu vois, alors pour moi c'était rien. Et j'allais pour la passer sous l'eau. Et il m'a défoncé. Putain, t'es con, c'est électronique. Ouais, pour moi, genre, tu vois, c'était comme une fourchette. Ah, vas-y, la.
qui est la rediff du live. Non, je sais. Plein d'anecdotes. Anecdotes de CMQ. Ah, par contre, lui, mon frère, c'était un bâtard, c'était un niveau d'un truc, c'était le matin ou le soir. Comme il respectait rien. Et lui, tu sais, tu vois, genre, toi, t'as cours et tout. Mais non, lui, non, il va jouer jusqu'à 4h. Il va te mettre la musique hyper fort dans ta gueule, dans tes oreilles. La luminosité hyper fin, il en a rien à voir. Ouais. Le matin, il se lève. Genre, comme c'est, on a une soeur et tout, on a une chambre entre garçons, pour moi et mon frère. Et la chambre de ma soeur. Bon, plus maintenant, c'est toujours la chambre de mon frère, tu vois, quand il vient. Il vit chez mon père, du coup, il peut venir. Bon, le seul problème, c'est qu'il dort à côté de moi, mais je m'en fous, chez mes grands-parents. Enfin, tu as compris, quoi. C'est un lit, genre c'est deux lits uniques que j'ai collé pour en faire deux. Du coup, bah il est char grand, il est plus grand qu'un lit de place. Du coup, il y a la place. Moi j'ai un lit de place. Hmm? Moi j'ai un lit de place. Bah, moi le truc c'est que le lit de place j'aimais pas. Du coup, j'ai pris mes deux lits. Et en fait, c'était soit ça, soit un lit de place, mais ça me dérangeait. Et du coup, bah, comme il y avait de la place, j'ai pris. Deux lits et que je les ai collés, du coup bah ça me fait un lit plus de place mais encore plus grand. C'est ce qu'elle m'a dit le mec qu'on l'a acheté. Non. On m'a fait c'est pour ta copine plus tard. La fois je suis pas étonné. Et genre, en fait de base je voulais m'acheter un clic-clac mais ça coûte cher. Ça coûte 300 euros un clic-clac. Du coup bah, quand j'aurai l'argent je m'achèterai un clic-clac. Ouais je trouve ça mieux un clic-clac moi. Moi j'avais un clic-clac chez moi. Un KitKat. Ah, ça va, un KitKat. Non, mais c'est bien parce que, genre, c'est moi, genre, quand j'ai des potes ou quoi, ou j'aime bien les inviter, je suis je trouve que c'est mieux d'avoir un. Genre, ça fait un canapé et après, bah, dès qu'il débarre, tu remets ton lit normal, quoi. Ou genre, je sais pas, t'as envie de regarder la télé, comme moi, je vais mettre la télé sur mon mur, et bah, j'ai pas envie d'être allongé, bah, je remets normal. En vrai, j'ai trop de dépenses, j'aimerais acheter tellement de trucs. J'ai un truc, tu sais, mec, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire là, depuis quelle heure ? Depuis 30 minutes, je suis en train de colorier les cheveux, j'ai toujours pas fini de faire les. Moi, je suis en train de faire les lumières. J'aime pas mal de tout, hein. Ouais, okay, tu es comme ça. Cette musique, je m'en lasserai jamais. Moi, si je veux pas, je te passerai la mienne. Moi, elle est vraiment chill. Il y a du piano et de la trompette. Moi, je préfère la musique comme une. Saxo, du saxo. Ouais, voilà, bah, ce que j'ai, moi, du saxophone. Mais ça, c'est apaisant. Ah, moi, ça dépend. Si c'est un casou, c'est. Non. Et comme ça passe. Les stylés, les ombres en blanc. Oh, je le kiffe. Oh, je le kiffe de ouf. Je suis désolé de te dire, de répéter ça, mais... Même pas, ça fait des personnages avec ses copains. Je préfère faire des personnages qui n'existent même pas. Faut que tu me donnes l'inspiration de faire ton personnage. Hein? Tu me donnes envie de faire ton personnage. Vas-y, bluffer. C'est pas comme ça que tu me donnes envie de faire un personnage. Elle fait juste un fils de pute. Ouais. Fais-le, sinon je dis à tout le quartier que ta mère c'est une grosse pute. Allez, j'ai pété PD aussi. Ah, merci, grâce à toi, j'ai plein d'inspiration. Allez, si merde, grosse salope. Ça m'a donné plein d'idées. Je suis content de te rendre utile, petite pute. Qu'est-ce que ça fait sans les effets? T'es prêt? Alors, faut que je le mette en plein écran. Tu peux juste zoomer. Ah, ouais, c'est plus joli avec les effets. Tu vois, genre, vas-y, remets les effets. Oh, trop beau. Tu vois la différence, quoi. Genre, tu passes à un truc plat, un truc avec plus de. Plus de corps, plus de.
Le Demolition. Je kiffe grave ma race. Je suis fier du résultat. Mais essaye de voir les points négatifs que tu pourras améliorer à ton prochain dessin. Dès que t'auras fini. J'aimerais bien d'un point de vue externe, sachant c'est important. Et genre comme ça, mais il faut pas que tu le modifies après, genre. Moi avant je faisais ça, c'est comme disait plein de trucs. Enfin tous les trucs négatifs. Et le problème c'est que au lieu de refaire un dessin avec ce que j'ai appris, ce qu'il faut pas faire, et ben je modifiais directement dedans. Et au final je me perdais et je faisais un truc moche. Et j'oubliais ce qu'il me disait, ça m'énervait. Je préfère refaire maintenant un dessin plus propre. Et être fier encore plus du résultat. J'en avais une, je rappelle, elle était hyper gentille, c'était une surveillante. À chaque fois que je dessinais, elle trouvait ça super beau. Et à chaque fois, elle me disait, moi j'étais hyper content à chaque fois de mes dessins. À chaque fois, elle me disait, il faut pas que tu sois aussi content, il faut que tu vois que tu es pas négatif. Ah, et du coup, à chaque fois, je disais, oh, attention, j'ai toujours pue la merde en dessin, bande de gros salopes, vas-y, dites-moi que c'est de la merde. Bah, je disais pas la surveillance, sinon je suis dans la merde. Mais... Enfin, je faisais comprendre. Ouais. À chaque fois qu'on parlait du dessinateur de la classe, c'est tout le monde qui me regardait. À chaque fois, genre, tu vois, qui s'est dessiné dans la classe et tout. T'as tout le monde qui se tente la tête vers moi. En mode Chloé, we go to the Disneyland. Genre, en fait, ce truc, c'est que même moi, genre, les gens dans ma classe, je vois, il y a un dessin, il y a des trucs qui n'arrivent pas à un dessin. Ils me demandent. Et moi, j'ai pas envie de leur faire, tu vois, pas parce que j'ai pas envie de leur faire, quoi, parce que je suis un bâtard. Parce que c'est pas beau. Genre pour moi c'est pas beau. Il y en a qui kiffent, hein, genre tu vois c'est des conneries. Hein. Tu vas faire une tête, tu vas trouver ça dégueulasse. Et eux ils vont trouver ça hyper beau. Et du coup, à chaque fois des gens qui disent je sais bien dessiner, quand en vrai pour moi genre j'ai tellement de trucs à apprendre. C'est comme un mec qui fait du codage. Oh, j'aime bien le style d'effet que j'ai mis au jour. Un mec qui fait du codage, genre il va te dire que. Ce qu'il fait, c'est. Enfin, genre il va te faire un truc, tu vois, banal pour lui. Regarde, c'est banal. Et après, genre, tu vas trouver ça un truc de ouf, quoi. Car c'est stylé le live. On dirait, genre, c'est une structure. T'as vu? C'est un sol. Ah, mais regarde, il devient invisible. Ah putain, je me disais c'est quoi qui me fait autant mal. J'avais mon masque, genre mon masque il était retourné, du coup c'était tiré à fond dans mes oreilles. J'ai dit mais c'est quoi qui me fait mal aux oreilles? Quand tu mets ton masque à rien, ça t'a tiré les oreilles pour rien. Non, c'est juste que je sais pas, ça me donne de l'inspiration. Je me mets dans la peau d'un personnage. Genre y'en a un, tu connais Mario Academia? Oui. Et le mec qui dessine les trucs, il est habillé comme un personnage de My Hero Academia. Et tout le temps quand il dessine dessus, il s'habille comme ça. Et genre il dit, c'est pour lui donner de l'inspiration. Et ça lui donne vraiment, no fake. Hein. Genre, quand il arrive à dessiner sans le sort de cosplay, tu vois. Mais il a plus de mal, tu vois. Ah, c'est con, hein, mais je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mmh. Ah, moi je dis ça pour le fun, hein, c'est pas vrai du tout. C'est juste que je trouve ça joli. J'aime bien le mettre. Surtout que là, il servait à rien parce qu'il était mis à pas sur la bouche. Souvent, je mets par contre le masque le soir quand je suis vraiment fatigué. Parce qu'il est utile en vrai. Genre quand je parle ou quoi. Éviter que genre tu m'entendes grave respirer fort comme je suis fatigué. T'as vu comme je pense à vous? Eh mec, depuis tout à l'heure j'ai toujours pas fini de colorier les cheveux. Ouais, c'est pas grave. C'est que comme il est j'ai pris des grosses dimensions. Moi j'aime bien mettre genre sur le côté droit, genre regarde plein de trucs orange comme ça. De la lumière, fiston. Je te pardonne. C'est pas de la lumière. C'est pas de la lumière. Mais c'est quoi là? C'est du sperme? La lumière, c'est le truc blanc. Ça, c'est une occlusion ambiante. Bah,
De base, non, en fait, c'est pas logique. La lumière n'est pas blanche, en fait. La lumière est orange, jaune. Chut, laisse-moi dans mon délire. Ouais, c'est pas logique, mais c'est pas grave, je te pardonne. Putain, quand je pète, comment ça pue? Hein? Quoi? Quand je pète, comment ça pue? Ouais, tu sais que moi, genre. Souvent, je. Ouais, tu sais, par contre, moi, je kiffe mon organisme. Si je veux, y'en a, ils ont des organismes de fils de pute. Genre, les mecs, ils sont en cours, ils vont têche, ils vont essayer de faire un truc discret, tu vas entendre. Ah, mais c'est vrai, mec. Il est fini mon dessin ou je te rajoute un truc? Ça va grave puer. Attends, je regarde. Fais un zoom un peu plus, s'il te plaît. Je pense que je pourrais rajouter. Parce que attends, zoom vers les pieds et vite fait, j'ai envie de voir un truc. Les pieds, on s'en branle. Non, mais zoom vers les pieds. Est-ce que tu pourrais rajouter, genre, tu sais, comme tu dis ton truc orange là, faire une tout petit, je sais pas comment dire, genre, une tout petit reflet. Je sais pas ce que c'est. Ah, par contre, franchement, ouais, c'est bon. Je le trouve petit, Ludo. Petit. Tant pis, qu'on aime bien la complicité, ce qu'on va faire. Rajouter une troisième. Mettre un reflet sur l'épée. Ouais, oh, ouais. Si j'y avais pensé tout à l'heure, quand j'avais fait le reflet sur les cheveux, ouais. Eh bah tu l'as oublié. Il est pas très gentil, là, il est plus avec toi maintenant. Oh, excuse-moi, madame Sword. Go suck my dick, my friendly sword. What the fuck, I not comprehend, Sword. Stop, Sword, what the fuck, you're fucking crazy. Go suck me. Go suck my big tour. Oh, okay. Okay. I'm go my home. You're true. You're a bit crazy. Tu racontes que de la merde. C'est vrai qu'il y a putain qui lève. Et tu parlais avec qui, Cédric? Avec une épée qui n'existe pas. Ah. Une épée fictive. Et comment fait-elle pour parler? En fait, c'est moi qui parle à sa place. Ah. Ah, madame, votre fils a un problème. Je pense qu'il faut aller voir les docteurs. Quel problème? Ce que j'adore faire, c'est un truc comme ça. Problème de maths? Je m'en remets donc. Si je parle tout seul dans la vie, c'est normal. It's a swag. Blarfumouk. J'ai enfin avoir fini les cheveux. J'ai fini le dessin tout tes cheveux. Mais le truc c'est que... Regarde, depuis tout à l'heure, je suis avec le pinceau 16. Et du coup, bah c'est pas gros. Du coup, bah je fais les contours, mais il faut que je colorie à l'intérieur. Et comme il y a plein de pointes, et j'ai la flemme de gommer après, et bah je prends pas de gros pinceau. Franchement, là j'arrive, je sais pas, c'est peut-être à force d'en faire, mais j'ai moins de mal avec la tablette que tout à l'heure. Genre tout à l'heure, si je tournais la tablette comme un gogol, au lieu de tourner mon main. Elle est quand même petite. Je vais dire ce que tu veux. T'imagines, on arrive à faire assez d'argent pour s'acheter une tablette graphique. Quoi? Bah... La plume... Petite plume, elle a réussi. Oui, mais elle est toute seule. Ah, nous faudra multiplier par deux. Ça va, imaginez que. Ouais, d'un côté, ça m'arrange que Carotte fasse pas. Ah, mais lui, faudrait bien qu'il achète un truc. Ouais, faut qu'on lui achète un truc. Et si lui achetait un Lego? Ça lui ferait plaisir. Parce que l'argent, on doit la diviser par 3. Le problème, c'est que Carotte ne ramène pas d'argent.
Il en ramènera à sa manière dès qu'il aura son PC, il fera des streams. Et peut-être que si ça peut marcher. Hein. Puisque après, de toute façon, moi j'attends, dès... je vais pas être mytho dès que Caro tu auras son PC. Je pense que ça sera lui qui va s'occuper des lives. Et après, je l'aiderai, tu vois, de temps en temps. Toi, je sais pas quand t'auras ton PC. On pourrait l'aider de temps en temps, mais comme il fait pas de dessin ou quoi, et ben ce sera plus logique que lui s'occupe du jeu, tu vois. Ouais, mais qui t'a dit qu'on allait avoir de la tuile enfin, la stream Qui t'a dit qu'on va nous donner des dons? Bah, c'est pas grave, au moins on aura pour voir peut-être. Bon, j'ai entendu un peu bizarre. À côté une petite communauté, au moins il servira à quelque chose, Carrot. Parce que c'est que. Ça en fait des choses à faire. C'est compliqué de tout gérer, tu vois. Genre. Moi je dessine, si genre je commence à avoir des commandes, en plus de ça je dois stream, je dois pas oublier de stream telle fois par semaine. Plus, je me suis aussi lancé dans les intros, donc du coup je vais sûrement faire des intros. Et moi je pourrais même t'aider si tu veux. Les intros t'es pas spécialisé dans ça. Hein? Les intros t'es pas spécialisé dans ça toi? Bah non, mais je peux apprendre. Toi non plus à la base tu fais pas d'intro. Ouais. C'est toujours bien d'apprendre. Moi j'aime bien apprendre. Dans les choses que j'aime, hein, je te parle pas. Genre, c'est vrai que c'est long. Pour le design par exemple, comme tous les raccourcis Photoshop, et encore il y en a plein que je connais pas. Genre, connaître tout ça, les raccourcis. Moi, je les apprends pas, je m'en prends des cours de raccourcis Photoshop. Ouais, je te promets que dès que tu les connais, mec, ça va tout seul. Moi je sais, je suis au courant. C'est vrai que c'est long. Genre, moi je crois que j'ai. Pour les apprendre, genre je m'étais fait une fiche en une journée. Et genre tous les jours j'en faisais un peu. Pendant, je crois que j'ai dû mettre une semaine pour tout apprendre. Enfin les raccourcis les plus importants. Je connais à peu près une bonne vingtaine, une trentaine. Mais le truc c'est à force de les utiliser, je les retiens. Oui bah c'est justement ça, genre je les avais notés. Et je faisais en sorte de tous les utiliser par jour. Et après j'ai bah maintenant je les connais. Et genre des fois tu vois genre j'aime bien jouer mais j'ai pas tout le temps envie de jouer. Moi aussi. J'ai plus envie d'être comme ça là, tu vois, là on est bien. Ouais. Poussé. C'est déjà tout si go. Et go pose, je suis posé sur mon canapé. Avec Babouche. Coucou. Raph. T'es c'est qui Babouche? C'est le chien de Hugo. Ah j'ai cru que ça connaissait pas. Ça connaît. Ça connaît aussi. Ah c'est qu'il est connu le petit chien. Ça coucou. Dans le ghetto on l'appelle la petite chienne. Ah pourtant c'est un chien. On l'appelle la chienne. C'est vrai qu'on est des trucs. Par contre on aime pas qu'il s'approche de nous, il nous fait peur. Ouais, ça fait charpenter ces gens comme ça, ils sont ils font les mecs virils et tout, ils ont peur de rien. Tu ramènes un petit chiot là, de 20 cm, le mec il se chie. Ouais, chien, chien. Je suis chié dessus. Putain, j'ai faim. Il est stylé comme ça ou pas le personnage? Oh, je le kiffe. Je l'adore. C'est bon. Okay, c'est bon, je l'adore. C'est mort, je l'adore. Vas-y, c'est le mien. Vas-y, c'est le mien. Ça va être ton nouveau personnage. Non, mais s'il y a personne qui l'achète, voilà, je l'achète. Enfin, je le garde même. En plus, ses yeux, je les trouve grave stylés quand ils sont tombants comme ça. T'as même pas vu mon dessin que je t'ai envoyé tout à l'heure. Comme tu t'en fous, Walter, j'ai un dessin de moi, mais il s'en bat les couilles. De quoi? Walter, je t'ai envoyé un dessin, ça va faire 30-40 minutes, une heure, je t'ai envoyé. Toi, t'es qui? J'ai eu. Ouais, bah tu m'as pas dit.
Mais je t'ai dit tout à l'heure, il est stylé. En même temps, c'est pas moi que j'ai gravé lui. Et puis tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que de colorier ses cheveux. Mais c'est bon, j'ai fini. C'était la dernière mèche. On voit. En fait, je sais pas si elle rend bien le coup. Les yeux, ils sont bizarres. Qu'est-ce qu'il y a dans mes yeux? Je sais pas, ils sont trop triangulaires. Ah, si c'est triangle, toi? Tu m'habitues mieux. C'est pas triangulaire. Tu sais ce que c'est un personnage blasé? Oh, je l'adore, mon personnage. Attends, j'ai envie de faire caca. J'ai pas dit que j'allais me chier dessus. Mais les gars, il n'y a pas de rendu. Comment je fais pour que sélectionner tout? Tu peux pas, je crois. Ou sinon, il faut que tu mettes tout. Ah, il faut que tu mettes tout dans un. Dans ouais. Un groupe. Dans un dossier. Il faut mettre le dernier truc en premier. Ouais. Ça, c'est chiant à faire. De ouf. Parce que t'as oublié de redescendre, de remonter. C'est pour ça que maintenant, je fais tout le temps des groupes directement. Hey Michel. Des dossiers, oh, parce que sinon ça peut être. Dégueulasse comme ça. Quand on voit l'évolution, mon logo. C'est grave stylé quand tu fais comme ça. Attends, on va faire un petit moment. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait de la peinture. Ça va pour un petit moment. Evolution of the personnage. Ah, pour donner. Là, tu vas faire quoi là? Tu vas pas être couché après ce dessin, si? Hein? Tu vas être couché après ce dessin, enfin, dès que t'as fini? Non. Que vas-tu faire? On verra bien ce que l'avenir nous va savoir. Alors, moi, j'ai pensé à faire un personnage. Pour un monsieur qui s'appelle Thank You, il est vraiment très gentil. Il est vraiment très fan de tes dessins. Et comme je crois qu'il s'est pas dessiné, eh ben, il aimerait, si c'est possible, s'il y a moyen, s'il y a possibilité, que malencontreusement, si tu n'as rien à faire, de lui procurer un de tes sublimes chefs-d'œuvre. Avec son personnage. Ça me tue quand tu essaies de parler bien. Il me dit, alors, j'ai cru comprendre qu'il voudrait un personnage avec une couleur unie, de style noir au relief violet. Après, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je sais pas, je ne le connais pas. Attends deux secondes. Attends. Et tu me coupes là par. Okay. Alors, je suis en sueur. Pas sauvegarder, ça a craché. Le marquis ne répond pas. Bah, de quoi tu dis rien? Je touche à rien. Please, s'il vous plaît, Dieu, s'il vous plaît, Jésus. Merci, amen. Sauvegarde vise. C'est ce que je vais faire direct. Tu sais, un truc qu'il faut paniquer. Mais tu sais que ça m'était arrivé sur Photoshop, mec. 3 heures dessus. Eh, ça crache. Photoshop, c'est le pire. Ah ouais, faut. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis en train de sauvegarder ça et ça bug. Je suis en train de sauvegarder, ça fait de pas déranger. Faut te faire enculer, non? Parce que j'ai. Mais alors, je vois pas, c'est bien, je sauvegarde. Genre, j'ai juste utilisé le putain d'outil plume.
Espèce fils de pute. La bombe dans ton cul. Ah, mais c'est pas gentil. Bon, t'inquiète, c'est bon, le dessin est fini. C'est fait pause. Bon, allez, bon. Attends, je vais... t'as pas de double screen, toi. On va l'appeler comment? Itokachu. Tu me mets, je sais pas, genre Roronoa 0. Mais Roronoa 0. 0, 0. Voilà les copains. Je viens de finir mon dessin. Avant Fion, il faisait des dessins de merde. Il a bien évolué. C'est devenu un gros fils d'up. Attends, il me casse les couilles cette musique à la fin. Ah, je crois qu'elle cassait pas, genre, elle casserait jamais les cocognettes. Ouais, mais là. On va faire un personnage pâle. Salut, je suis un drawer. Tu es vraiment un vrai drawer, toi. Ah. Bah, arrête de tèche, gros porc, hein, putain. Ça pue. Depuis tout à l'heure, je crois qu'il y a du tèche 15 fois pendant le soleil. Ah, mais c'est pas de ma faute, j'ai mangé trop de fagelet. Ouais. Tu connais Dentatsu? Quoi? Est-ce que tu connais un mec qui s'appelle Dentatsu? Non. Ça te dit rien du rien? Non. Pourquoi? Parce que c'était moi. Les premiers dessins de Firodro, ils sont tellement dégueulasses. Hein? Les premiers dessins de Firodro, ils sont dégueulasses par contre. Firei, pardon. Comment je peux te donner envie de faire un dessin pour lui? Suçant la queue. Alors moi, je vois bien un personnage avec de belles couleurs, enfin de beaux shades, en kimono. Genre le personnage serait cool. Kimono costume, genre tu peux mettre des petites couleurs, pas spécialement blanc, tu vois. Genre kimono un peu plus gris. Gris avec des petits gros flets. En gros, si tu veux te faire plaisir, soyons gays. Gay. Avec une coupe de cheveux pas volumineuse, mais avec de belles mèches, de beaux reflets, de beaux reliefs, de belles ombres. Alors, faire un dessin pour Thank You avec de beaux reliefs. Google. Que ça veut dire? Définition. Thank you et casse-couille. Ah, merci. Va faire un dessin ou sinon tu vas te faire violer, fils de pute. Ah, ouais, j'ai pas trop envie en fait. Fais-moi un dessin STP. Itokachu. Itokachu. J'appelle Itokachu. Tu connais Itokachu? Tu sais qui au moins Itoka? Non. C'est un. C'est dans Hunter x Hunter, c'est le mec avec ses cartes. Excuse-moi, je sais pas.
Mais tu m'as dit que tu connaissais. Ouais, mais de nom, mais. Ah, moi je croyais que tu regardais. Je regarde pas ça. Ah, il se fait tard. Impossible d'importer car le rectangle de source est vide. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Ah, est-ce que t'as mis une couleur de fond? Non. Hein? Non. Bah, peut-être qu'il faut que tu le remplisses, je sais pas. Si tu veux le mettre sur quoi? Un logo? Ouais, je l'ai mis sur Photoshop. Ouais. Du moins, j'essaye. Mais putain! Bouffe ta mère! Il y a qui sera... Casse les couilles! Ah, je préfère... prévenir les 1400 millions de followers. Cet homme-là fait un live chill. Okay. C'est-à-dire que on se détend, on ne s'énerve surtout pas et on s'amuse. Chevelure, la chevelure, elle est très très jolie, très jolie la chevelure. Le facteur arrive avec la Gaule. La Gaule arrive avec la Gaule. J'avais la Gaule sur la Gaule. Mais tu sais. François Perrault arrive avec la Gaule. Un petit, ma grande sœur arrive avec la Gaule. La voisine arrive avec la Gaule. Ça va tuer cette vidéo. Le poisson arrive avec la Gaule. Le chien arrive avec la Gaule. Thank you arrive. Quoi? C'était pas dans le texte. Dragibule arrive là quoi? Dragibule sans le tétan. Qui arrive avec la Gaule? Gros dégueulasse. La mère à Dragi arrive avec la Gaule. Ah mais comment ça se fait? Maman? Papa? Je ne sais plus. Je me suis perdu. Le PC de Dragi arrive avec la Gaule. Ah bah non, parce que je suis de la merde. Le prochain PC arrive avec la Gaule. Ah bien sûr, le prochain PC, là, il y aura la grosse Gaule. Le Gaule arrive avec la Gaule. Je suis drôle. C'était drôle, ça c'était sexy. Le ballon du Gaule arrive avec la Gaule. C'est de merde. La requête de Rocket League arrive avec la Gaule. Ma chatte arrive avec ma Gaule. Ta Gaule, mais comment elle fait? Ta Gaule. Le nourrisson arrive avec la Gaule. Ah, il est beau votre enfant. Qu'est-ce qu'il y a entre les jambes? Un pénis. What? What the fuck? Comment il fait? Il a même pas 5 ans. Il pense déjà à ça. Quel gros pervers. Je veux dire que je sais déjà comment il va surnommer sur YouTube. Dragibule. Par contre, là, son œil, je suis parti en cacahuète. Pourquoi direct les grands mots? Pourquoi direct les grands mots? C'est dégueulasse, monsieur. Ouais, je sais pas. Ah, je suis parti, c'est mon intuition. Putain, en bas, ils font. En bas, ils font du bruit, fils de pute. Ils font quoi? Ils font du bruit chez moi, en bas. Puis tellement respectueux, ces fils de pute. Ouais.
Oh merde, chier dessus. Ah putain, encore. On avait nettoyé ce matin. Ça commence à bien faire. Il va falloir quand même mettre des couches au bout d'un. C'est arabe. Magie, est-ce que tu as pensé par exemple à faire un dessin giveaway pour un abonné très fidèle? Je sais pas, comme ça, je dis, parce que je connais des gens qui. Son nom il commence par un S. Ouais, comment tu disais? Il est hyper sympa, genre le mec, je l'ai pas sur Discord, putain, il est super cool quoi. Il est pas un peu pédé, non? Parce que moi, il faut que tu les rencontres, il est pas un peu pédé. Un petit peu, mais. C'est pas le plus. C'est important qu'il faut retenir, le plus important c'est qu'il est hyper fidèle, qu'il adore toutes tes vidéos et qu'il a même photographié toutes les images, toutes les séquences, tous les mouvements de bouche de l'animation avec Coleman Legrand. Aïe. Et c'est sérieux. Et quand tu vas chez lui, bah, son papier peint c'était le dessin, tes logos. Aïe, je te jure, voilà. Hein. Ah, c'est vraiment un suceur. Oui, gentil. Ouais, mais gentil, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, c'est ça qu'il faut, c'est plus important. Alors, moi, j'ai pas ça pour te forcer, hein, non. Pas du tout. En plus, il avait plein de bonnes idées si, au cas où, un prénommé Dragibule lui faisait un dessin. Est-ce qu'il a la Gaule? Oui, et même sa gueule à la gueule. Ah ouais, je suis pas allé vérifier parce que bon, moi je suis pas pédé comme lui. Hein. C'est vrai qu'il est. Que... Ah, c'est vrai que c'est un peu un gros pédé. Ouais, il est pédé. Sinon, il est sympa. Ouais, mais il est sympa quand même. Ah, moi, il m'a dit de te dire que si toi tu disais qu'il était pédé, et eh bah, il est pédé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il veut il aimerait bien. Déjà, c'est un abonné fidèle, hein, on va pas se le cacher. Et en plus de ça, il aimerait bien avoir un petit dessin. Comme il pense, il soupçonne que tu n'as rien à faire actuellement. Donc, il s'est peut-être dit que. À l'heure actuelle, j'ai demandé à Cédric s'il y avait moyen de gratter un petit dessin pour moi. C'est quoi ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi qui. C'est quoi son petit nom? Comment? C'est quoi son petit nom? C'est Thank you. Ça ressemble un peu à ton pseudo, tu trouves? Non, parce que. Attends, je dis, elle est déjà. Il faut pas l'oublier. Beaucoup, hein, c'est. Quelqu'un qui m'a beaucoup suivi. Mais c'est pas moi. Tu le connais depuis longtemps? Pas... Ouais, plus longtemps. Tu... Non, pas du tout. C'est juste que tu me prends des si tu le connais comme... pas. Parce que, comme c'était tellement célèbre, c'est ce qu'il dit, hein, et ben, il a pas pu te joindre sur Twitter. Du coup, ben, il s'est peut-être dit qu'en passant par un chiffre comme moi. Ben, c'est ce qu'il dit, hein. Mm-hmm. Ben, ça fonctionne. Faut pas prendre au mot ce qu'il dit. Hein. Dis-lui qu'il a niqué sa mère. Bah, je pense que ça lui ferait... ça rendra un peu triste quand même. Pourquoi? Si tu voudrais, quand même de par hasard, lui faire un petit dessin, un petit drôle. Faut que je tâte la proie. Un petit... Non... Quelques petits traits. Un petit trait? Quelques petits traits en forme de personnage avec de jolies couleurs, de jolis reliefs, de belles ombres et de belles lumières. Putain, y'a un mec qui vient de tracer. Hein? Y'a un mec à côté de chez moi, il vient de tracer mon dos. Ouais, Greg. Maman, te chie pas dessus, j'arrive. Heureusement que j'ai ma super moto que tu m'as acheté pour mon anniversaire. Je fais pas de placement de produit, mais Renault c'est trop bien.
Ok. Ils font des motos aussi, je crois qu'ils font des motos. Mais s'ils font des motos. Mais qui parle tout seul, quoi. Cédric? Ouais, ouais, Cédric. Ils font des motos ou pas? Ouais, Cédric. Ok, bon, Cédric. Merci, Cédric. Enfin, Cédric, t'es vraiment un super pote. Ouais, je vois, quoi. Ça fait combien, un plus 1, Cédric? Ah, ça fait 2, je crois. Ah, c'est vraiment trop cool. On sait qui c'est. Ah, coquin, j'ai même sur la bouche. On avait dit qu'on était juste copains. Pourquoi tu m'as embrassé sur la bouche? Ah, excuse-moi, elle m'a fait exprès. Ah, mais ça se recommence plus, sinon je vais rougir. Ok, c'est vrai. Par inadvertance. Ma proposition de... Enfin, la proposition de... Thank you. Hein? J'en ai plus rien à foutre. Mais je... il est triste. Quand tu sais qu'il est triste. Parce que je l'ai entendu dire qu'il était triste. Par exemple, ce serait pas dans cette histoire. De... Non, non, non. C'est pas Discord. C'est quoi son Discord préféré? Mais il connaît pas Discord. Il est que sur Skype. Mais c'est pas un vrai bonheur. Mais si, après il m'a dit que il avait... ça c'était avant qu'il se crée un compte pour aller sur Discord. Pour venir sur ton Discord à toi. Lequel? Bah ton Discord de 3G, 3G World. Et il m'a dit de dire que sur ton Discord il s'appelait Ronsei. Il m'a dit qu'il était sur ton Discord actuellement et qu'il s'appelait Wosei. Enfin, j'ai World. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. T'as vu, il est connecté, donc ça peut pas être moi. T'es vraiment un putain de gardien, fils de putain. Ouais. C'est pas très gentil de m'insulter, moi j'y suis pas. Hein. Moi je fais que répéter par inadvertance ce que les gens disent. Comme je suis quelqu'un de très sympathique qui essaie de gratter le meilleur pour eux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. T'es Joséphine en gardien, alors fils de pute. C'est bon, elle m'a insulté. Pas vraiment. Je suis un ange gardien, mais je peux pas Joséphine. Parce que moi, c'est une merde. Bah... Je retiens que t'es le seul. Parce que je sais que Joséphine, c'est un peu une merde. Bah ouais. Elle est petite comme sa bite de... Ah, thank you. Une petite bite, lui. Oui, oui. Une petite pédale, là. Une petite pédale. Gros, tu as un gros trou. Ouais, mais il a un gros trou. C'est-à-dire que si tu veux te soulager dans lui, il m'a dit de te dire qu'il était à 100% d'accord que s'il pouvait avoir par inadvertance, par comment te dire ça, par coïncidence un dessin. Comme il s'est dit que t'avais rien à faire. Comme si t'avais rien à faire. Même si t'es hyper connu, il s'est dit que comme t'étais le meilleur dessinateur du monde, et bah t'avais fait déjà toutes tes commandes. Même si t'en as eu 15 000, il s'est peut-être dit que maintenant tu t'ennuyais, que t'avais peut-être envie de dessiner un dessin pour lui. Voilà. Quand t'as dit pour lui, ah, ça ouais. M'a tué. Pour lui. J'ai qu'à péter. Ouais. Rien de plus. Hein. Aucun contact extérieur avec. Je connais pas mon petit PD.
Il s'est même dit que bah, comme t'aimais bien Roblox et Naruto, et bah il y avait peut-être si bien évidemment il y avait un dessin moyen qu'on y reverrait un C4 quand tu le veux. Juste après son dessin. J'ai un kiki assez impressionnant. On me dit souvent que je dois me toucher le gland parce que ça me montre que j'ai des grosses dents. Une fois tellement qu'il faisait froid, j'ai même dû mettre un gant sur mon gland parce que sinon j'allais congeler et je ne peux même plus respirer. Donc on m'a dit vas-y mets-le, vas-y mets-le, vas-y mets-le, t'auras moins froid, vas-y mets-le, vas-y mets-le, sinon tu perdras ton petit pieu, vas-y mets-le, au nom de Dieu. Vas-y, mets-le, espèce de gros bâtard. Vas-y, mets-le, et t'auras plein de. Moi, j'ai répondu, merci, oui, ça me touche. Je suis vraiment, vraiment très content de votre réponse, de votre gentillesse, de votre fermeté. Merci, mon Dieu, je lui ai dit, merci, mon Dieu, pour tous ces beaux œufs, et pour ces beaux œufs, ils sont vraiment très beaux, tous les deux. T'as bien aimé la musique? De péter gros dégueulasse. Ah, de péter gros dégueulasse. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre un tout petit peu de toute petite touche de vieux gel? Violet avec du lait, violet avec du lait. On viole pas les gens avec du lait, nous. Hein, ça fait mal le lait. Nique ta mère, sale bâtard. Dans ton cul. J'ai mis du lait dans la bouche et après j'ai bu par son cul. Encore c'était bon là. Hein, t'es dégueulasse. C'est bon. Tout le monde fait ça, non? Non, je crois pas. Et crevez pas, je suis bizarre. Ah, mais crevez pas, c'était une blague. Hein. C'était un truc que j'ai jamais fait ça. Ah, et surtout pas avec ma mère, vous êtes des fous. C'est bizarre parce que la dernière fois elle était en mini-jupe et il y avait plein de trucs blancs qui sortaient. Ah, mais non, ça rien à voir. Gros, on en live. Excusez-moi. Je vais juste dire que le lait c'est de l'eau. Coucou les 45 millions de viewers. Par contre, s'il vous plaît, vous pouvez juste éviter de trop parler parce que du coup, là, vous parlez tellement que on peut même pas dire ce que vous dites. Parce que c'est vrai. Et j'aimerais bien lire ce que vous dites parce que c'est vraiment intéressant et critique. Par contre, c'est que depuis tout à l'heure, il y a juste son image.
Ouais, je sais. Tout juste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, après, j'ai une petite idée. T'inquiète. On m'a dit de te le dire. Il y a quelqu'un qui aimerait bien, si possible, avoir probablement, sûrement, quelle coïncidence, un dessin venant de toi car il est vraiment très fan. Je pense que je vais bientôt aller dormir. Après. Après, bah, tu peux le faire vite, hein. Je veux mon partage d'écran. Je veux voir ce que tu fais. Hein? J'ai envie de voir ce que tu fais. Bah, du coup, il faut que t'arrêtes le live. Non, je vais screen ton truc. Tu pourrais montrer dans le live ce que tu fais de beau. Si vous voulez, les copains. Ouais, vous avez vu comment je colorie bien. J'avais jamais de partout. Sachez-le. Ton partout comme ça, là. Parce que j'ai pris, j'ai mis du 120. J'ai mis du lait. J'ai mis du lait. Sur cet étang. Sur cet étang. Salon, j'ai mis du lait. Sur ces gros loulous. Ah, j'ai mis du lait. Ah ouais. Mec. M'expliquer pourquoi quand je fais capture d'écran ça marche pas. Il faut que tu laisses ouvert le Discord quand tu mets capture d'écran. Non mais quand je fais capture d'écran parce que t'as mis Discord en plein écran, il faut que tu mettes capture de fenêtre. Non mais sur non mais genre mon écran il n'est pas captable, genre je mets capture d'écran. Ah, tu... tac. Tac, je suis sur mon écran. Et ça fait chier. Sur ton live? Ouais. Car. Bah, peut-être parce que. Bah, peut-être. Bah, parce que le capture d'écran, il faut que tu le montes parce qu'il est tout en bas du truc. Non, c'est pas ça. Mais si. Il faut que tu le. Genre, tu sais, quand tu mets tes images, il est tout en bas quand tu mets un nouveau truc. Non, moi il l'affiche pas en fait. Sur attends. Il est noir. C'est bien ton écran qui capture, je sais pas. Attends. Capture de la fenêtre. Tac. Oh, Discord, tu s'affiche rien. Discord. Peut-être qu'essayer d'enlever le partage d'écran, le plein écran sur Discord. Y'a pas de problème à l'écran? Non, y'a clique sur Discord, clique sur Discord, clique sur Discord. D'accord. Ouvre Discord et revois sur ton truc, peut-être ça va afficher maintenant. Non, ça affiche rien. Petite mythe, j'en ai aucune idée. Pour capturer Paint to Save, tu peux pas modifier ma Discord? Ce que j'ai fait. Et fais un nouveau pour voir. Ce que je fais. Et, mais par contre, c'est qu'après, faut le bon. Quand même, si ça fait non, c'est rien. C'est pas grave, je me laisse comme ça. Ça fait quoi là? C'est la capture. De toute façon, les personnes sont branlées. Arrête-le au pire. Bon, les copains et les copines, n'hésitez pas à vous mettre des gros doigts dans la nuit. Allez, bisous. Bonne nuit, tous les 40 millions d'abonnés. Ouais. À l'année prochaine. Bonne nuit, tous les 40. Allez, je vous suce.